Oui, en fait, la cause a été renvoyée au 29 pour permettre au PDG de Sénéweb de comparaître s'il y a lieu. Mais cela n'enlève rien. Notre détermination va aller jusqu'au bout dans cette affaire. Parce qu'au-delà de la personne du colonel, je pense aujourd'hui ce sont tous les militants contre le tabagisme qui sont visés. Parce que dénoncer des faits de tabagisme, dénoncer des faits d'empoisonnement et se voir attraire au tribunal, à mon avis, cela me paraît scandaleux. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les militants contre le tabagisme, les Saint-Louisiens épris de justice, se sont déplacés en masse pour manifester leur soutien au colonel Moumar. Je maintiens tout ce que j'ai dit. Il a estimé que je l'ai injurié, que je l'ai diffamé. Mais dans le texte, vous ne verrez jamais un mot discourtois. Et je continuerai à me battre contre le tabac parce que j'ai 10 amis qui ont été emportés par le tabac ici au Sénégal. Ici à Saint-Louis, vous vous souvenez tous de M. Cheikh Medike Diakhaté di Kolo. C'était une icône de Saint-Louis. Il s'est laissé piéger par la cigarette. Et c'est la cigarette qui l'a emporté. Et tout Saint-Louis est mécontent de ce genre de choses. Il est maintenant temps que les autorités appliquent la loi anti-tabac. Parce que quand j'ai publié mon article, comme l'a dit Maître Fall, un mois après, eh bien, la loi anti-tabac a été votée à l'Assemblée nationale.